bonjour à nos invités qui sont en ligne, qui sont en vacances. Le Seigneur vous bénisse ce matin. On va prier ensemble. Cher Saint-Esprit, ce matin, dans ta présence et sous ton onction, Seigneur, nous voulons venir, Seigneur. Pour être rafraîchis par ta pluie, pour être renouvelés, pour être encouragé, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons juste te dire que nous t'exaltons, juste te dire que nous t'aimons et que tu comptes pour nous. Et ce matin, quel que soit l'endroit où je me trouve, aujourd'hui, je t'exalte et aujourd'hui, je t'adore, mon Dieu. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, et reçois toute la puissance, mon Dieu. Alléluia. Oh, papa, papa, papa. Yeah.
plus de ta présence, Saint Esprit. Plus de toi, mon Dieu. Plus. Thank you.
mauvais, Seigneur. Celui qui est affaibli, qui est éloigné de toi, Seigneur. Il n'a pas trouvé la force de revenir, Seigneur. Lié par le diable, Seigneur. Captif de sa propre iniquité. Oh mon Dieu, étends ta main de puissance, de guérison, source de vérité, Seigneur. Ouvrez les yeux de celui ou celle qui est aveugle spirituellement. Et qui se tient éloigné de Dieu, qui se tient éloigné de son Église. Qui se tient éloigné de sa présence. Oh mon Dieu, ce matin, Seigneur, nous élevons notre voix vers toi. Oh Reba Kisha Kima Kimaya. Nous voulons crier pour la brebis perdue, Seigneur. Pour la brebis éloignée, Seigneur. C'est éloigné de la vérité, mon Dieu. Oh papa 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 papa. Oh papa papa le papa. Tends ta main de guérison sur sa vie. Et tends ta main de puissance, Seigneur. Pour que lui ou elle puisse revenir à ton église, Seigneur. Oh aujourd'hui, Seigneur, nous clamons pour la miséricorde, Seigneur. Nous prions, Seigneur. Et nous élevons la voix vers toi. Pour te dire, ton peuple, Seigneur, s'est éloigné loin de toi, il s'est perdu, Seigneur. Dirigé par le chemin de sa propre vie. Mais ce matin, Seigneur, la voix de ceux qui veillent encore s'élève vers toi. Il te dit, Éternel, étends ta main, envoie ton esprit puissant. Réveille et qu'ils prennent conscience de la vérité, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, étends ta puissance sur leur vie. Oh, papa, 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 n'est-il pas écrit que tu es le bon berger, Seigneur, que tu vas chercher la brebis qui est perdue, Seigneur. Aujourd'hui, je veux te clamer pour toute brebis qui est perdue, Seigneur. Oh, qui ne vient plus à l'église, qui s'est éloigné de toi. Perdu dans les chemins de ses propres vérités, qui sont un mensonge. Oh, reba, ba, 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 ba. Va chercher, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Va chercher. Celui qui a besoin. Celui qui a soif, celui qui est endormi, celui qui est muet, celui qui ne reconnaît pas ses besoins. Sors à sa rencontre, Seigneur. Sors à sa rencontre. Continue à prier, continue à prier. Une onction qui est là pour le salut des perdus aujourd'hui. Tabernacle va s'ouvrir. La présence de Dieu va s'ouvrir. Pour ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient restés isolés, ceux qui étaient restés seuls pendant cette période de crise, où la crise n'est plus le Covid, mais la crise de la foi. La présence du Seigneur va se manifester à tous pour la guérison des nations. Fraîche, Seigneur.
lui ou celle qui te regarde à la télévision en ce moment. C'est celui ou celle qui est dans l'église. Ici, mon Dieu, j'élève ma main pour que tu changes et tu transformes, Seigneur, celui qui s'était perdu, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce matin, c'est quand tu viens, c'est quand tu souffles, Seigneur, c'est quand il y a ta liberté, Seigneur, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, dit ta parole. L'Esprit du Seigneur dans l'église. Il agite les hommes. Il nous m'en les mots encore quand même les mains. Les brebis viennent boire. Elles viennent se baigner dans ces eaux agitées. Comme les calmas qui sentent les béquilles, les bicailles, les bicailles, les bicailles. Il vient pour elle la guérison intérieure. Il vient pour elle la guérison de leur cœur. Physiques sont restaurés, laissez vous passer, sont effacés. Il y a une ancienne pour toi, il y a un feu de l'esprit pour toi, il y a une liberté dans l'église, il y a un souffle de feu, il y a une nouvelle vision. Change et transforme un Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifeste. C'est la liberté qui vient. C'est le changement et la transformation. La guérison des cœurs. Oh, souffle de Dieu, viens dans ma vie. Oh, demande au Seigneur. Prophétise, prophétise. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur, transforme ma vie. Change-la en un souffle de feu, cher Saint-Esprit. Oh, toute la puissance est à toi, il n'y a qu'un Dieu comme toi. Un seul roi, un seul sauveur, un seul Seigneur, un seul qui nous bénit, un seul qui nous remplit. Oh, Esprit du roi des rois, Esprit du Seigneur, viens dans ma vie, Saint-Esprit. Viens dans ma vie, viens dans ma vie, cher Saint-Esprit. Transforme-moi, renouvelle-moi, oh, souffle sur moi une nouvelle saison. Viens dans ma vie, mon roi et mon sauveur. Oh, que va-va-va-va-va-va-ch. Yébalikai, malibay, malibay, yébis, lébékaliné, yébikouré, maï, balissé, bérinaï, yébisada. Oh, tu mets à terre les balles, il n'y a aucune idole qui résiste devant toi. Aucun raisonnement ne tient devant ta vie. Oh, Esprit du Seigneur, viens et mets à terre le diable. Mets-le à terre dans la vie des croyants. Concours, les mains, les bandes, les becs, les mecs, les chanes, les becs, les mecs. Oh, Esprit du Seigneur, réjouis-toi. Viens, ton œuvre à la croix a été faite pour moi. Oh, Esprit du Seigneur, déverse-moi ton feu, déverse-moi ta joie, déverse-moi mon roi, oh, remplis-moi. Oh, remplis-moi. Oh, remplis-moi. Oh, papa. Oh, my God,
Seigneur, plus de ta présence, plus de ton onction dans l'église, plus à la télévision, Seigneur, plus pour celui qui est derrière son écran également, Seigneur. Oh, chez Saint-Esprit, viens. Pour m'emplir, renouvelle et bénis, souffle sur moi, Esprit de Dieu. J'ai tant besoin de toi, mon roi. De grandes choses a fait le Seigneur. J'aurai la joie, la joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur, m'a rendu libre. La joie, j'aurai la joie en l'éternel. J'aurai la joie. Alléluia. Lève ta main vers le ciel et dis-le au Seigneur. Salue-le. Cher Saint-Esprit, merci pour le réveil qui vient. Merci pour la puissance qui se déverse sur moi dans l'église. Merci pour ton esprit vivant qui vient sur moi. Alléluia. Oh, je t'aime. Ainsi que David dansait. Ainsi que David bougeait dans sa présence. J'aurai la joie, la joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur, m'a rendu libre. J'aurai la joie en l'éternel. Ma douleur m'a rendu libre. La captivité, nous serons comme ceux qui rêvent. Le Seigneur nous sortira de la captivité. J'aurai la joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur, m'a rendu libre. Oh, il est sauveur. Il est Seigneur. Et il est roi. Et c'est que David bougeait dans sa présence. Ainsi que David bougeait dans sa présence. J'aurai la joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur, tout mon déshonneur. Il a enlevé tout cela. Oh, alléluia, il m'a vêtu de joie. J'aurai la joie en l'éternel. Prophétise pour ta vie. Lance la parole. Je suis béni, je suis un instrument de bénédiction. Il y a une onction qui vient et elle va s'emparer de moi. Alléluia. J'aurai la joie. La joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur. Dios, te amo. Je
t'aime, Seigneur, je veux toi. Oh, Seigneur, chaque Il est sauveur Jésus, il est Seigneur, il est roi des rois. Il n'y a personne comme lui, son onction est ici. Il pourrit toute espèce de joug, il libère, il remplit. Son nom est grand, mon sauveur Jésus. Viens, Saint-Esprit, oh viens. Viens dans ma vie, nettoie et remplis. Oh, tu libères, oh mon Seigneur et mon Sauveur. Il n'y a personne comme toi, car c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris. Oh, reçois ta libération, reçois, 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 reçois les yeux des personnes sauves. Et la liberté commence à venir dans l'église, les chaînes commencent à tomber. Il y a une personne à la télévision qui a vu comme un masque de carnaval tomber de sa figure. Et ça, c'était le visage qu'elle avait quand elle se tenait devant Dieu. Et c'était un visage triste, mais maintenant, le visage du Saint-Esprit, le visage de la joie va commencer à venir. Et le Seigneur te dit, c'est fini, il y a un changement qui vient pour toi. Oh, corre ma qui s'en déboye ma. C'est pas si vous savez, mais dans tous les réveils, il y a des nouvelles chansons. Il y a des chansons de l'esprit qui commencent à sortir. Et celles qu'on a entendues aujourd'hui, ça c'en est une. Alléluia! Et moi je voulais vous dire que ici dans le cœur de quelques personnes qui sont réunies ici, il y a un réveil qui commence à couler. Oh papa 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 papa. Et si toi aussi tu veux chanter ces chansons, si toi aussi tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu sais que t'as qu'à venir. C'est simple comme bonjour, c'est simple comme aller à ton travail, c'est simple comme rentrer chez toi, c'est simple comme aller à ta maison. Décide-le, je vais à l'église et l'Esprit du Seigneur va s'emparer de moi. Et je danserai comme David parce que sa présence est là. Je me réjouirai devant l'arche d'alliance qui représente la présence et la puissance du Saint-Esprit. Oh, mon roi, viens. Oh, papa, nika, ni maliman de bo, de besaï, me keya. Yop, de pore, ma qui chante, ma et te le mire, ya, ma maman, de bari, ma qui sante, ma qui tari, ma qui daoya, la canaï. Yen, de l'ike, ni kore, ma de bo, ye, ma. Saint-Esprit, merci. Bien, cher Saint-Esprit, nous vous remercions parce que nous expérimentons tes prémices, Seigneur. Oh, nous t'exaltons, prémices du réveil. Oh, Seigneur, le feu de la braise commence à prendre ici. Oh, papa, 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 papa. Là où deux ou trois sont réunis, Dieu est là au milieu de nous. Alléluia. Oh, papa, kinda de bote barimaya. Seigneur, plus de puissance, plus de feu. Active les charbons, Seigneur. Fais-les brûler, fais-les rougeoyer, mon Dieu, avec le vent de ton esprit. Oh, papa, papa, papa. Yon de kore ma ki san de boke la ki baya la ma 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 ma. Brûle, irradie, Seigneur, le vent esprit sur les charbons qui rougeoient. Alléluia. Car ma
capable d'allumer des incendies spirituels, Seigneur. Capable d'allumer le feu, la présence de Dieu dans ce pays. Seigneur, deux ou trois personnes, Seigneur. Un feu pour toi et un réveil commence à naître, Seigneur. Un feu commence à couver, Seigneur. Et la forêt tout entière se met à brûler. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom. Oh! Et vous savez, l'avantage avec le feu de l'esprit, c'est que c'est pas un feu qui détruit, c'est pas un feu qui consomme, c'est un feu qui renouvelle, c'est un feu qui restaure, c'est un feu qui change et qui transforme le paysage de ce pays. C'est pas un feu qui détruit, c'est tout le contraire, c'est un feu qui construit. Alléluia, c'est un feu qui construit l'église, c'est un feu qui construit les croyants et il les assoit dans leur position d'autorité en Christ, dans la nation où il les a envoyés. Dis avec moi, que court le feu, que court le feu, que court le feu, que court le feu, que court le feu. Saint-Esprit, il y a des gens qui sont dans ils ont senti comme une accélération dans leur vie. La présence du Saint-Esprit vient et ils vont commencer à courir pour Dieu. Le vent de l'Esprit est là. Et il a commencé à activer sa puissance. Il a commencé à renouveler, il a commencé à transformer, il a commencé à changer. Plus. Seigneur, nous nous réjouissons et nous exaltons ton saint nom, Seigneur. Alléluia, mon Dieu, quand tu es là au milieu de nous, Seigneur. Alors, il n'y a pas de meilleur culte qui puisse avoir, Seigneur, que quand ton esprit se manifeste dans l'église, Seigneur. Quand il se manifeste au milieu de nous, ton Saint-Esprit, Seigneur. Ta puissance, ta liberté, mon Dieu. Combien nous t'exaltons, combien nous glorifions ton nom. Et nous devenons fous pour toi parce que nous t'aimons. Ok, pambe, kalemake, show. Oh, que brûlent les flammes du feu du Saint-Esprit dans nos vies. Que la puissance de Dieu vienne. Oh, Rema qui chante les camions, les cailles, les mériailles, les quilles, les blessés. Oh, sur tout ce qui était perdu, sur tout ce qui semblait impossible pour les hommes, le souffle de l'Esprit de Dieu commence à brûler. Il commence à allumer des feux et des incendies spirituels partout parce que la présence de Dieu vient. Il y en a qui ont entendu parler du réveil qu'il y a eu aux États-Unis, à la rue Azusa. Juste quelques personnes en train d'adorer Dieu. Et un pasteur en train de prier avec la tête dans une boîte à chaussures. Et les gens au dehors voyaient le feu du Saint-Esprit dans l'église à tel point qu'ils ont même appelé les pompiers pour l'éteindre. Et les pompiers sont arrivés, bien sûr il n'y avait pas de feu mais il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui je voudrais déclarer que ce feu, cette flamme ardente est ici au milieu de nous. Et décréter, Seigneur, donne-nous bien plus que le réveil d'Azusa Street, Seigneur mon Dieu. Donne-nous bien plus, Saint-Esprit. Nous courons les missants et les méchants. Donne-nous bien plus que tu as donné au pasteur Zemmour. Yenisai Telemit. C'est pasteur afro-américain, Seigneur. Donne-nous bien plus qu'à lui. Donne-nous bien plus qu'à lui. Bien plus, mon Dieu. À partir de ce pasteur qui priait avec la tête dans une boîte à chaussures. Des prières non conventionnelles, Seigneur. De ces quelques membres de la congrégation qui se sont mis à adorer ton nom et à profiter de la présence de ton Saint-Esprit. Les foules sont venues subitement. Mais c'est pas tellement qu'elles ont rempli l'église ou que le réveil a duré si longtemps, Seigneur. Sinon que de cela est née une dénomination qui perdure encore jusqu'à présent, qui s'appelle le pentecôtisme, Seigneur. Qui a semé des églises partout dans le monde, Seigneur. Des églises de l'esprit, tant que tu te manifestais au milieu d'eux, Seigneur.
Seigneur, ce matin, nous sommes venus te demander que tu nous donnes bien plus. Tu nous donnes bien plus. Bien plus, Saint-Esprit. Commence à prier, à chanter. Matthieu 6, versets 7 à 15. Et deuxième, c'est Proverbes, chapitre 15, verset 8. En Matthieu, Dieu nous dit, prenez une Bible parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projection des versets. Ni à la télévision, ni dans l'église. Matthieu 6, versets 7 à 15. Aujourd'hui, on va faire à l'ancienne. La Bible papier ou le téléphone ?